écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un petit vlog. Je vous amène avec moi dans toute ma journée et aujourd'hui, ça serait une journée très chargée. Entre le cheval, le sport, les vidéos YouTube à tourner, le live Twitch de ce soir et deux, trois petits trucs à préparer, vous allez voir que normalement, on ne devrait pas s'ennuyer. Cheval et je commence toujours par le marché un petit peu partout dans les écuries pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'au moins ça me permet de marcher reine longue, vraiment que le cheval se mette tranquillement en route, même s'il était au paddock ce matin. Ça fait toujours du bien de marcher avec un cavalier sur le dos. Première raison donc. Et la deuxième raison, c'est que pour ceux qui ont suivi sur Instagram, je vous ai annoncé que j'ai fait enlever les fers postérieurs de mon cheval. Donc ça veut dire que maintenant il est pieds nus derrière. Et la meilleure façon que d'habituer le cheval à être pieds nus derrière, d'après ce que m'a expliqué le maréchal et d'après ce que j'en ai lu quand je me suis renseignée, c'est de faire marcher le fameux cheval sur plein de terrains différents. Du coup, on évite les petits cailloux pour l'instant parce que ça fait à peine une semaine. On passe sur le dur, puis sur l'herbe et au moins petit à petit, il s'habitue à ces nouvelles sensations. Aujourd'hui, l'objectif de la séance, ça va être de faire des stretching, donc c'est-à-dire de l'étirement, un cheval lent, rond et bas. Et puis on va comme ça, tranquillement, remonter le dos, effacer les petites courbatures de la veille et puis s'amuser, prendre du plaisir. Y'a que ça qui compte de toute façon. Maintenant, le programme, c'est routing, caressing, pansing, paddocking. Qui c'est qui a été trop sage là? Mais qui c'est qui était encore trop sage là? Mais t'es trop sage à chaque fois ou quoi là? Mais t'es trop sage à chaque fois ou quoi là? Sur un tout autre sujet, j'ai quasiment plus de GoPro sur la batterie, donc si ça coupe, bah à tout à l'heure. Je fais ça. À chaque fois, je ferme mon casier, je reviens voir mon cheval et je me rends compte que j'ai pas rangé le filet. Donc, nettoyons le mort, rangeons le filet. On va maintenant partir à la salle et donc passer d'un outfit de sport à un autre outfit de sport en un claquement de doigts. Transition TikTok, toi-même tu connais, direction Fitness Park. Et c'est parti pour la torture du gainage. Une bonne chose de faite, passons aux abdos. Ah,
Maintenant, on a quatre. Le plus dur est fait. Maintenant, on attaque les choses sérieuses. Les jambes. C'est parti. Au pied. Assis. Pas bouger. Allez, vas-y. Ici, soit dans mon bureau, c'est une pièce qui résonne beaucoup, je le sais, mais c'est tout simplement parce que pour l'instant ça manque un petit peu de meubles. Ça viendra petit à petit, pour l'instant ça résonne, c'est pas très grave, généralement je ne parle pas toute seule à mes écrans. L'objectif là, ça va être de répondre à un maximum de mails, c'est-à-dire à tous les mails finalement. Avant j'avais beaucoup de mal à le faire, maintenant j'ai pris l'habitude de le faire tous les jours et du coup ça va beaucoup plus vite. Donc go répondre à tous les mails et puis après il faut que je vous poste une petite photo sur Insta. On a fait un shooting hier, il y a des photos mouah, pépites, donc j'ai hâte de vous les poster. Est-ce qu'on peut officiellement dire que le plus dur est fait maintenant que j'ai répondu au mail? Oui! Et j'en ai profité d'ailleurs pour construire aussi le planning du live de ce soir. Ce soir, on est en live sur Twitch. J'adore. Donc c'est à partir de 19h30 comme tous les mercredis et 17h le dimanche. Ce soir on parle de améliorer son assiette aux trois assis et pour cela j'ai vraiment construit mon planning tout comme je construirais un planning de vidéo YouTube, c'est-à-dire que je me fais des grandes lignes de façon à être sûre de ne rien oublier en live et puis après le reste, ben, à la fois une fois que j'ai mes grandes lignes je me rappelle de quoi j'avais envie de parler puisque c'est quand même moi qui ai eu l'idée du sujet donc normalement je sais à peu près de quoi je veux parler et surtout je me sers de toutes vos questions et de tous les commentaires etc. qui sont dans le chat de façon à pouvoir bah, répondre au mieux aux interrogations des personnes qui sont actuellement sur le chat, en live, etc. Bref, il n'y a plus qu'à. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je me mets sur Instagram de façon à répondre à un maximum de vos DM. J'essaye de le faire au plus, même si ça prend du temps, mais ça me fait trop plaisir de discuter avec vous. Et d'ici une petite demi-heure à peu près, on part sur un tournage de vidéo YouTube avec Lucas. Donc je réponds vite au message et puis après, tournage de vidéo. Mon truc du moment sur Insta et que j'adore faire, c'est de vous partager des petits mantras, des petits moods, etc. J'avais trop envie de le faire depuis très longtemps et je trouvais jamais le temps parce que j'avais pas le temps. En fait, je cumulais 8 boulots à la fois. Mais maintenant que je peux prendre le temps de le faire, je vous le fais super souvent. J'aime trop parce que vous accueillez super bien ce format-là, donc ça tombe bien déjà que j'adore le faire. Si en plus vous l'aimez aussi, on s'aime tous, c'est la folie, c'est la beauté, wouhou. Du coup, là je suis en train d'en créer un nouveau que je vous posterai très potentiellement demain. Bref, direction Photoshop pour créer le petit mantra et toujours, toujours avec des vlogs de style tonique sur ma droite. Ma vie, cette fille, ma vie. On se retrouve
cette fois-ci dans le décor Twitch que vous reconnaissez peut-être. On est en fait dans le bureau de Lucas et on a deux petites vidéos à tourner vraiment très très courtes. Une première pour un projet que vous découvrirez entre septembre et novembre. On bosse dessus, je vous en dis pas plus, ça arrive. Et une seconde qui sera tout simplement la vidéo qui tournera pendant qu'on n'est pas en live sur Twitch, de façon à avoir une petite présentation mieux que juste Dansuzy Met Offline. Ce que vous voyez vous, c'est un truc un peu stylé. Ce que je vois moi, c'est ça. Genre, des lights et 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 des lights. Une caméra, un Lulu et un peu de matos. Beaucoup de matos. Aujourd'hui, on va parler ensemble de ci, ça, ça, et moi je vous dis à très bientôt! Allez hop là, dans les boobs! Arrête! Mais oh, tu es bien une mégère là! On dirait les sœurs de Cendrillon en fait. Moi? Ah oui. Payotte et comment elle s'appelle? Guacamole et je sais pas quoi là. Mariotte? Oui, Mariotte, bien sûr. Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Twitch tous les mercredis et tous les dimanches. C'est bien, ça? C'est bon? Oui, je pense. C'est très simple. Bah, c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'on s'était dit. Ouais. Mais ça me gratte le front, mais rétro. Pourquoi ça gratte le front? Je sais pas, regarde. Ah. Pourtant, t'as rien. Et la nouille? Quel est le problème, mon chien? Laisse-moi deviner. Un voisin qui se gare. Mais Pierre et Loulou, le chien. Les tournages sont dans la boîte. On profite d'avoir installé le setup et des lumières pour faire quelques photos. Mais je suis pas sûr, d'aimer ma tête pour les photos aujourd'hui. On va voir. Vous êtes bien là? Bah ouais, non. Vous avez une vision panoramique sur mes genoux. Nous voici bien installés, il est 19h30, il est l'heure de lancer le live pour vous donner une idée. Ici c'est mon écran de contrôle, là c'est le stream deck, je vais me mettre en mode start live et je vais commencer le live hein, puisque t'as des sujets. Start streaming, oui, et je vais vous mettre un peu de musique parce qu'on va pas se mentir, c'est plus sympathique. En fait ce truc là il va me permettre de passer, de switcher d'une scène à l'autre, etc. Et si je veux, je vais même pouvoir vous balancer cet écran là. L'objectif ici c'est de dire à tous les réseaux sociaux que nous sommes en live de façon à ce que ceux qui sont pas abonnés ou quoi puissent avoir l'info et puis pour pas faire d'oubli. Donc j'ai mon petit téléphone avec moi, partons en mode story. Et re-coucou la commu, je vous rappelle qu'il est 19h30 donc c'est l'heure de nous rejoindre en live sur Twitch. Je vous mets le lien ici, c'est parti, rejoignez-nous. Et évidemment une fois que c'est fait, on vient copier-coller le lien, c'est toute une organisation, de façon à ce que si je dis que je mets le lien, il faut que je mette le lien copier, tac, je vous colle le lien, je vous mets un petit mot personnalisé parce que c'est quand même plus sympa, clac clac, toujours des cœurs partout, bref, je fais ça. Maintenant que c'est fait sur Instagram, on se fait la même sur Snapchat. Hello la team Snapchat, j'espère que vous allez bien. J'ai moins bugué cette fois. C'est déjà ça. Hein. C'est partagé sur Instagram, c'est partagé sur Snapchat, c'est partagé sur Facebook. Y'a plus qu'à, j'ai envie de vous dire. On lance le live ensemble. Hop. Petit casque, on refait la queue de cheval. Le micro, sinon Lucas m'engueule. Vous êtes prêts pour le meilleur hello la communauté? Hello la communauté! Go go go, comment ça va les gars? Comment ça va Twitch? Ah, j'adore, vous êtes déjà tellement! Hello, c'est mon premier live. Ah, trop bien! Est-ce qu'il y a des premiers viewers? S'il y a des premiers viewers, dites-le dans le chat, ça me fait toujours trop plaisir. Et les anciens, mais sachez que je vous reconnais. Ta ta ta! Le live qui commence comme ça, c'est ça qu'on veut! C'est Emeline qui resub. Merci Emeline, ça soutient la chaîne de ouf. Merci beaucoup, beaucoup. 4 mois d'affilée, c'est énorme. Merci, merci du fond du cœur. Kenny, le boss, Kenny, il a déjà frappé plus d'une fois, resub pour 5 mois, ça fait grave plaisir, les gars, vous commencez ce live de la façon que j'aime que vous commenciez les lives, merci les gars. Bon, bref, je vais vous donner maintenant des petites nouvelles de toute la famille, je stoppe le rec sur le vlog. Du coup, il est officiellement 21h30, on vient tout juste de finir le live, c'était trop cool comme toujours de passer un moment avec vous, vous avez encore le micro dans le cadre, tiens. Comme d'hab, c'était trop intéressant de discuter avec vous, etc. Maintenant, il est temps d'appeler les modérateurs, donc les personnes qui nous aident à gérer notre Discord et pouvoir supprimer les commentaires qui n'ont vraiment pas lieu d'être, style les insultes, des trucs comme ça qui peuvent arriver sur Discord. Donc, petit call avec les modos pour s'organiser sur le Discord pour les semaines à venir. C'est parti. Enfoiré. Non, j'ai été nulle parce que je vous ai même
même pas remercié à la fin du live alors que c'était pas cool. J'ai oublié de vous remercier, donc je vous remercie ici les copains. Merci. Ciao. Salut. Tu veux aller promener? Eh non, je veux pas ton t-shirt. Oh non, merci. Et Anna, tu veux aller promener? Oh là, c'est la surexcitation. On our way to redemption, I forgot to mention that I have a strong urge, a thirst for the world. Je vous retrouve donc lumière bien allumée dans la tête en balade avec Elana et toujours ma longe à la même, vous-même vous savez. L'objectif c'est de la sortir encore une fois, elle sort généralement 4 fois dans la journée, le matin pour aller aux écuries, à midi vers 16-17h et le soir à 22h. Elle fait toutes ces balades là en plus du fait qu'elle ait le jardin et qu'elle soit en dehors de la maison 99% du temps. Mais ça lui fait trop du bien, ces balades là elles sont vraiment primordiales de façon à ce qu'elle puisse découvrir de nouvelles odeurs, jouer, voir d'autres copains, etc. Donc c'est vraiment primordial pour nous de la sortir souvent, même si encore une fois elle a son petit extérieur à la maison, elle a son jardin, ça suffit pas. Le jardin vraiment je le considère comme une pièce de plus de la maison et les balades bah c'est tout le reste, ça apprend le reste. Donc balade, alors là je vous dis la vérité, j'ai quitté le chemin. Ah voilà, bon comme je n'y vois rien, je vous laisse là, mais vous êtes dans mon cœur. Et voilà le hérisson. C'est pas... Il est 22h30 et c'est une fin de vlog pour nous. Il ne nous reste plus qu'à manger, prendre la douche, se démaquiller, aller se mettre dans le lit avec un bon livre. Et ça ira pour aujourd'hui, c'était une journée bien remplie, comme je vous avais indiqué que ça le serait. J'espère que vous avez aimé ce moment, enfin cette journée, clairement, à mes côtés. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Likez, commentez, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Et moi je vous dis, mouah, à très bientôt.